Bonjour YouTube, comment ça va? Toute nouvelle vidéo que je fais avec mon Redmi Note 10 Pro que j'ai acheté. Donc je viens de faire une vidéo pour le présenter. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire une petite présentation d'un produit original que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps chez Noz. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, je les achète. En gros, j'ai trouvé des écouteurs Bluetooth Panda au prix de 7,99. Donc, on va les déballer et les tester. Petit couteau des familles, couteau suisse des familles pour déballer la boîte. Donc voilà, donc dans cette boîte, nous avions le petit boîtier qu'on va mettre de côté. Et sinon, qu'est-ce que nous avions en dessous? Voilà. Les petits embouts pour changer aux oreilles. Petit câble micro USB vers USB. Les paplards. Et nous avions une petite pochette de transport. Parce que c'est pas trop des écouteurs pour adultes en fait. C'est plus des écouteurs pour enfants. Bah oui. C'est pour ça qu'en fait c'était original. Parce que moi je voulais tester ces écouteurs parce que c'est des écouteurs pour enfants. Je trouvais ça original, donc je me suis dit je vais les prendre et puis on va voir ce que ça donne quoi. Donc voilà, petit iPhone des familles, comme vous devez le connaître. Et en fait, c'est pas un petit boîtier, regardez. Derrière, vous avez le port USB et le port micro USB. Je sais pas pourquoi il y a un port USB, au cas où on met comment ça s'appelle, une clé USB. Et les écouteurs sont là, en fait. Vous voyez? Voilà. En fait, les écouteurs. C'est les oreilles. Donc on va les défaire. Un peu comme mes écouteurs Blockpoint que je vous avais testé en vidéo. Donc nous allons les mettre aux oreilles. Je vais vous montrer. Il y a un petit bouton pour allumer, je crois. Donc normalement, c'est comme ça. En fait, les écouteurs, je les ai mis à charger parce qu'ils n'étaient pas chargés. Je vais vous montrer vite fait. Regardez, vous voyez? Les oreilles, elles deviennent rouges parce que c'est en train de charger, quoi. Génial, hein? Waouh! C'est pour montrer que ça charge, quoi. Et le boîtier, il y a un petit bip rouge au milieu, entre les deux yeux, quoi. Pas mal. Donc voilà, je les ai mis un peu à charger. Ils doivent marcher. On va les tester maintenant, les petits écouteurs.
pense qu'ils sont déjà connectés. C'est marqué Panda TWS, c'est marqué. Ils ont connecté et on va tester une musique. Je sais pas si vous entendez. Elle est son air impassible, elle est son air impossible. Sans jeu, je sorte que le jeu, ce soit nous deux. C'est toi qui fais la difficile, je profile. Je suis sûr de le jeu, ce soit nous deux. Vous voyez que je ne suis pas de taille. En devant toi comme si c'était normal. Et si jamais c'était possible, je suis l'épine de ta bosse, je pourrais te serrer dans mes bras. Et si jamais c'était possible, aussi mot qui nous oppose, je pourrais te serrer dans mes bras. Je veux sentir le danger, ça m'empêchera pas d'avancer. C'est facile, fallait retirer. Je veux sentir le danger, ça m'empêchera pas d'avancer. Quelques places et je dois les retirer. Et si jamais c'était possible, ce sont les épines de ta bosse, je pourrais te serrer dans mes bras. Et si jamais c'était possible, ce sont les eaux qui nous opposent, je pourrais te serrer dans mes bras. Yeah, ouh, ouh. Ouh, ouh. Yeah. Magnifique ces écouteurs. Je viens de les tester. Je les ai utilisés. Magnifique. Je les adore. Je suis conquis. Hein. En plus, ils étaient en train de faire du très bon son. Hein. Ouais, quand je les ai mis dans mes oreilles, le son était. Les basses, nickel. Pas de problème de grésillement quand c'était à fond. En plus, quand c'était à fond, c'était même pas fort. C'était magnifique. Pour des écouteurs qui m'ont coûté 8 euros chez Noz. Et je les ai, heureusement, je les ai trouvés parce que c'était dans un rayon. Même pas dans le rayon où ils mettent les écouteurs d'habitude. C'était dans un rayon comme ça. En tout cas, j'ai été conquis. Et en plus, c'est des écouteurs de la marque
Brookstone. Ça doit être une marque de pour enfants, je pense. Écouteurs Bluetooth sans fil design Panda. Longue durée de lecture. Écouteurs stéréo de 3 heures et 50 minutes d'autonomie avec une seule recharge. Sans fil, véritablement sans fil pour une écoute sans contrainte de la musique. Son Hi-Fi, l'unité en graphène BlackTech, permet d'émettre un son cristallin. Support de charge intelligent 1000 mAh. Ce boîtier fournit 3 charges supplémentaires complètes pour les écouteurs. Ah ouais! Donc design Panda. Le Bluetooth stéréo pour la musique. Deux modes. Playtime 3h50. Multicontrôle. Et 1000 mAh et 3 fois recharge. Magnifique. Je suis conquis par ces petits écouteurs. Je vais les garder ceux-là. Magnifique. Je les revendrai pas. Ceux-là, c'est mes écouteurs préférés. Bah, mes premiers écouteurs préférés, c'était ceux que j'avais achetés sur Wish, les écouteurs AirPods Suprême. Je sais pas où ils sont. Ils sont quelque part. Hein. Je vais les retrouver, mais bon, voilà quoi. Mais sinon, ceux-là, c'est mes deuxièmes préférés, quoi. Je suis conquis. Voilà, pour ces petits écouteurs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Tu mets un commentaire en dessous de la description. Tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Tweet et Snap. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!